Yo les geeks, c'est Adrien. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu original. Tu sais, c'est un petit peu comme les cadeaux à Noël, hein, quand on dit « Oh, c'est original comme cadeau », c'est jamais bon signe. Ce jeu s'appelle The Preposterous Amsomnias of Everything. The Preposterous Amsomnias of Everything. Everything, je l'ai bien fait, on est d'accord. Et vous inquiétez pas, il est en anglais, mais je vais vous faire les traductions. On va encore rien comprendre dans cette vidéo. Alors, je suis en train de me réveiller, oui. J'ai encore pris une grosse cuite, moi je le sens. Oh, oui, alors là, oui. Il a pris d'énormes cuites. Et non, mais je peux montrer ça sur YouTube, moi, ou pas? Ah oui, c'est flouté, c'est bon, ça passe. N'appelez pas vos parents ou la police, s'il vous plaît. Je suis gentil. On remarquera quand même qu'il est flouté à 3 pixels. C'est plutôt pas mal, quand même. Non, mais t'es arrivé quoi, mon gars? T'as fait une soirée trop arrosée ou quoi? C'est un point and click, hein. Il faut pointer et cliquer. Ça fait quoi si je me clique dessus, sur le téton? Non, mais faut pas se gratter comme ça, monsieur. Dis donc, calmez-vous. Qu'est-ce qu'on fout sur la plage? Déjà, il y a un caillou, on peut le ramasser, je pense. Ah, faut faire pick-up, je crois. Eh bah, bien sûr. Et attends, mais t'as pas de poche, tu l'as rangé où, ton caillou, s'il te plaît? Non mais c'est pas possible. Alors on peut examiner les objets autour de nous, on peut marcher, on peut ramasser des objets, mais surtout on peut être disrespectueux, on peut manquer de respect aux gens qu'on va croiser. Est-ce que je peux le faire sur moi-même? J'ai déjà peu de respect envers moi-même, le gars il nous dit. Ah d'accord. Ah la victime quoi. On peut faire un backflip. D'accord. Je sais pas si ça va être utile. On peut prier. Ok, d'accord. On dirait tu vas vomir là. On pourra utiliser les objets qu'on ramasse, on pourra les manger. Genre est-ce que je peux manger le caillou? Non, je pense pas que ce soit comestible. Ah, il est pas totalement con. Et un peu bifeudel. C'est-à-dire éméché. Mais cette pierre est inéméchable. Ok, je suis pas très bon en anglais, je suis pas très bon en français non plus apparemment. Ok, bah go, on bouge. Alors là, c'est notre île. Génial. Eh, elle est stylée. J'espère que c'est pas une île naturiste, hein. Quoique, je vais me faire des amis sinon. Alors pour l'instant, on peut aller dans la forêt ou dans la crête tout là-bas. On va aller dans la forêt. Wow. C'est qui lui là? T'as vu ta tête ou quoi mon gars? Mais attends, mais en plus il me regarde un peu chelou là. Mais c'est quoi cette île? Tous les gars qui étaient bourrés un peu chelou, ils se sont retrouvés ici. Parlons lui. Hello. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire? Pourquoi ta tête elle est si grosse? Il me dit dégage. On va pas être copains lui et moi. Ah je sais ce que je vais faire. J'ai lui manqué de respect sur sa gueule. Oh espèce de tête de pastèque. Il réagit pas. Est-ce que je peux lui donner des coups de caillou? Non, ça ne marche pas. La violence n'est pas la réponse. Non, mais me suis pas comme ça, petit poussin. C'est mon ami. Mon ami poussin. On va l'appeler comment? On va l'appeler Philibert. Philibert le poussin. Oh, bonjour madame. Je m'attendais pas à ça. Bon, alors, on va examiner Jeanne. Jeanne, je t'examine. Non, trop de texte. Je vais te parler, Jeanne. Ah non, il sait pas comment aller lui parler. Il est timide. Oh, la victime. Est-ce que je peux la pick-up? Est-ce que je peux lui voler ses seins? C'était ton. Non, on peut pas, non. Si tu fais ça... Si tu vas avoir des problèmes avec la police, mon gars. Elle a quand même des petits poils un peu partout, là, sur le ventre, sur les épaules. Jeanne, elle est pas très très mignonne, là. C'est peut-être Jean, en fait. Elle va s'écarter, elle aura un gros zizi, on va avoir super peur. Wow, et lui, c'est qui, là? Non, mais il est en train de manger une biche. Non, mais au calme. Ou je sais pas ce qu'il mange, mais... What? Regarde pas ça, Philibert. Non, ne le regarde pas. Philibert, c'est trop violent pour toi. Je vais pas vous déranger pendant que vous êtes en train de manger, hein, bien sûr. Est-ce que je peux essayer de lui piquer un peu de bouffe, à la limite? Non, je peux pas, parce qu'il est en train de manger. D'accord. En même temps, je n'avais pas super envie, là, quand tu vois le truc. C'est même pas cuit, mais c'est dégueulasse. Bon, bah, ok, salut, à la prochaine. Oh, mais c'est quoi ce camp, là? Mais what? Mais what? Mais non, mais what? Mais pourquoi j'ai fait cette vidéo, moi? C'est un copain qui m'a offert le jeu, en plus. Mais pourquoi? Tu m'aimes pas, c'est ça? J'ai pas bu d'alcool avant de faire la vidéo, on est d'accord, hein. Je suis... Tu vois bien, c'est la réalité? Il s'est passé quoi dans la tête des créateurs du jeu, franchement? Allez, on va parler à la petite blonde, là. Hélène. Salut, Hélène. Comment ça va bien? Hélène, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Elle est en train de ranger. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Et d'autres priorités, va te trouver des vêtements d'abord, non mais oh. Philibert, je sais pas où on est tombé. On va essayer de sortir de cette île, je te le promets. On s'en sortira, toi et moi, mon petit poussin. Eh, il y a des vêtements là, c'est quoi? Oh, j'ai trouvé quoi? Attendez, j'ai trouvé des vêtements. Est-ce que je peux les utiliser? Ah oui, voilà! Eh, beau gosse ou pas? Non, pas beau gosse en fait. Je suis le plus civilisé d'entre eux. En même temps, c'est pas compliqué quand tu vois leur gueule. Ah, j'ai même pas fait gaffe, mais j'avais aussi des bouquins sur moi, d'accord. On va aller voir ce qui se passe à l'autre bout de l'île. Déjà, là, c'est un petit peu plus rassurant. Là, on a quelqu'un qui est habillé. Il s'est même fait des petites sandalettes en feuilles et un petit slip. Voilà, il a à manger, ça fait plaisir. On va lui dire bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici? Il est dans ses pensées, il est en train de réfléchir. Et qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Il regarde ses pensées actuellement, le gars il est à fond dans les pensées. Il pense au concept de la répétition et à l'illusoire nature de la progrès. Ouais, ouais, toi t'es pas mieux que les autres en fait. Attends, j'avais des bouquins et je peux lui parler des bouquins que j'ai trouvés. Est-ce que vous les connaissez? Il les connaît, oui. Drake m'explique que la majorité des bouquins que j'ai trouvés en fait sont des bouquins universitaires.
universitaire et qui parle de pas mal de choses, notamment sur le fait de créer une roquette, une fusée, les amis. Oh, c'est génial, ça va peut-être construire une fusée, alors. On est retourné voir les autres là, qui étaient tout fous, et on s'est rendu compte qu'en fait, ils étaient en train de jouer sur des morceaux de roquette. Eh ben oui. Donc ça veut dire, on va construire une roquette. S'ils doivent m'aider, on n'est pas dans la merde, là, quand même. Allez, je vais essayer de les motiver. Eh les gars, arrêtez toutes vos conneries, et on va construire une putain de roquette. Est-ce qu'il y a une réaction ou pas? Tout le monde a arrêté de faire ce qu'il était en train de faire et à regarder dans ma direction. Et en fait, grâce à mon chapeau et à ma veste, ils se disent que je suis sûrement un ingénieur, tu vois, et du coup, je suis super légite. Du coup, ils doivent se dire que ouais, je suis un ingénieur spatial. Mais ils me connaissent pas, ils ont pas trop confiance en moi. Mettez pause à la vidéo, vous verrez que les traductions elles sont vraiment approximatives. Dan s'est moqué de moi devant tout le monde et ils ont tous rigolé et sont retournés à leurs occupations. Connard de Dan. Ok, donc durant ce jeu, on va devoir essayer un petit peu de canaliser tout le monde et de construire une fusée. On progresse petit à petit, les geeks. On va trouver un petit peu quel est le but de ce jeu. Puis après, moi je propose qu'on envoie un email au créateur du jeu, puis qu'on prenne de leurs nouvelles, savoir s'ils vont vraiment bien. S'ils ont besoin de discuter. Allez, Hélène, toi là. Toi, t'as l'air sympa, Hélène. Est-ce que tu veux m'aider à construire la fusée? Elle n'est pas intéressée par ce genre de choses, connasse. Ouais, je sais ce que je vais lui demander. Est-ce que tu peux m'aider à convaincre les autres, s'il te plaît? T'as des arguments, tu les connais, tout ça. Elle me dit qu'il la regarde plus qu'il ne l'écoute. Vu ta gueule, ça donne pas vraiment envie de te regarder tant que ça, tu sais. Il faut que j'arrive à convaincre Anthony de m'aider parce que Anthony, y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Ok, d'accord. Allez, viens, Philibert, on va aller voir Anthony. Ah, Anthony, c'est la grosse tête. Viens avec moi, Philibert. Toi, tu vas essayer de l'amadouer avec tes petites ailes et ton petit bec tout mignon. Et Anthony, tu sais quoi? Je trouve que depuis que t'as un caleçon, t'as pris la grosse tête, non? Est-ce que tu veux m'aider à construire une fusée, s'il te plaît? Non, mais quel connard, mais non, il veut pas. Est-ce que tu aimerais voler sur la lune? Et elle est aussi grosse que ta tête, en plus. Non! Mais connard, mais attends, mais hé, quand on a une tête comme la tienne, on fait pas des simagrées, monsieur? Si tu m'aides, tout le monde participera, s'il te plaît. Fais pas le bâtard. Non, il veut toujours pas. Et si je fais le truc, tu sais, le truc le plus pourri du monde? S'il te plaît. Ça, c'est les filles qui font ça. Moi, je déteste les filles qui font... S'il te plaît. Est-ce que moi, je fais... S'il te plaît, laisse un pouce bleu. Non, moi, je fais pas ça. J'ai jamais fait ça. Jamais. Est-ce que ça marche, la technique du s'il te plaît? Non, mais t'es un connard, Anthony. Franchement, t'as changé. Déjà, lui, je l'aime pas, la grosse tête. Dans les commentaires, essayez de lui trouver des surnoms. Je veux que vous lui donniez des surnoms de grosse tête. Alors, j'ai fait Bifuddle sur lui. C'est-à-dire que j'ai essayé de l'émécher. Qu'est-ce que ça veut dire, Bifuddle, émécher? Je comprends pas, moi. Déjà, rien qu'avec des mots simples, on comprend pas l'histoire, mais s'ils nous mettent des Bifuddle, des Bifidule, Bitbush, machin. Ah, en fait, je vais essayer de lui embrouiller le cerveau, c'est ça. Alors, j'ai dit à Anthony que s'il faisait pas ce que je lui disais, Godzilla viendrait le manger. Mais bien sûr. Et je lui ai dit en toute logique que c'était l'un des principes de base du savoir général. Et Anthony ne voulait pas avoir l'air de ne pas savoir les principes de base du savoir général. Et comme il avait pas envie d'être mangé par Godzilla, il a dit qu'il allait m'aider. Bravo, vous avez obtenu un nouvel équipement. Anthony, ok, je vais le mettre dans ma poche et tout. Et du coup, tu vas me suivre, comment ça se passe? Oh là là, l'équipe de bras cassés. Et en boîte, on rentre pas. Et pour parler à tout le monde maintenant, il faut que j'utilise l'objet Anthony. Allez, Anthony, parle à ma place, s'il te plaît. Vas-y, je lui chuchote et tout. Il y a un pixel qui est un peu plus rose là entre mes jambes en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas très... C'est un peu mal, ça. Allez, les gars, on va construire une roquette. T'as genre, le gars, il a plus de charisme que moi, ils vont l'écouter, quoi. Et regarde tous dans sa direction. Tout le monde peut voir la taille gigantesque de sa tête. Du coup, grâce à ça, ils trouvent intelligent, mais ils savent par expérience que le gars n'a aucune autorité, quoi, et qu'il saura pas mener à bien une entreprise de cette taille. Donc, tout le groupe est partagé entre le fait de le suivre ou alors de continuer ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà, il y a Dan, encore ce connard, voilà, qui fout la merde. Dan, franchement, je vais te tirer tes tétons, tu vas rien comprendre. Je vais parler à Anthony pour voir ce qu'il en pense un petit peu. Je peux juste vous dire danse pour moi. Bah vas-y, danse. Non mais what? Non mais... J'avais besoin de conseils, j'avais pas besoin de ça, s'il vous plaît. Et si je lui donnais des vêtements à Anthony? Ça lui donnerait peut-être plus d'autorité. Ah, voilà. Je peux pas donner à Philibert les vêtements. Philibert, il aurait bien aimé. Et si maintenant il leur reparle avec les vêtements? Ah, maintenant ils sont tous impressionnés parce qu'il a le casque et le gilet. Ils sont trop cons quand même. Alors si on doit construire cette fusée, on a deux choix. Il faut leur dire, on doit travailler ensemble d'une manière organisée, vu la tronche des gars, je suis pas sûr que ce soit possible. Ou si on construit cette roquette, vous allez devoir faire exactement ce que je dis. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils m'écoutent un petit peu, donc vous allez faire un petit peu ce que je vous dis, les gars. Première étape, je ne sais pas traduire ça. Alors, ils étaient en train de jouer avec des bougies d'allumage, je dis à Clyde de me donner ses bougies d'allumage, et bim, je lui mets un petit coup de jus, hop, dans les côtes, au calme. Il a eu des convulsions et tout, mais what? Et là, on a voulu m'arrêter, et bim, un petit coup à toi aussi. Après ça, tout le monde a été impressionné, tout le monde était disposé à m'écouter, et du coup, j'en ai un petit peu profité pour, optimiser nos conditions de travail. Donc déjà, je l'ai fait travailler 12 heures par jour d'après l'histoire. Je rationne leur alimentation, mais ça, c'est normal, c'est pour la ligne. Je censure également leur conversation. Bah oui, il faut pas qu'ils se révoltent, les loulous. Et j'ai également oublié tous leurs droits. Voilà, les droits de l'homme,
on oublie. Du coup, la fusée s'est construite vachement vite, on a été efficace. Mais le problème, c'est que les gens les a tellement exploités qu'ils ont même plus envie d'aller dans les étoiles. Tout ce qu'ils rêvent, c'est d'avoir la liberté maintenant. Et de me buter aussi. Ils veulent me buter. Et du coup, ils ont été même jusqu'à m'enfermer dans ma propre fusée. Ouh, les bâtards! La fusée me servant de sarcophage. Ils m'ont lancé dans l'espace. Ils m'ont abandonné. Ils m'ont oublié. Et le jeu est terminé. Vous avez pas gagné. Non, mais what? Attends, c'est une fausse fin. D'accord. D'accord. On a construit notre fusée, mais je suis mort. Ok, d'accord. Je savais absolument pas à quoi m'attendre avec ce jeu. Si je l'avais su, je sais pas si j'en aurais fait une vidéo. Par contre, c'est cool qu'il y ait plusieurs fins disponibles. Et pour le coup, bah, première fin, première mort. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les geeks. Moi, je me suis bien marré. Et si jamais tu es mineur et que les images que tu as vues t'ont un petit peu choqué, surtout n'hésite pas à regarder un bon gros porno, histoire de bien te changer les idées. Ça va trop loin à chaque fois, ça va trop loin. Merci à tous ceux qui partagent la vidéo. Pour ma part, je reviens très vite pour de prochaines aventures. Et surtout, les geeks, n'oubliez pas, si la vie est un jeu, alors, amusez-vous bien. Ciao! Bon, Emma, surtout, tu restes bien devant moi, je puisse te mater tranquillement. Bah voilà, très bien, t'as tout compris. Et sinon, Emma, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis youtubeur. Emma, non, mais elle est pas montée, cette conne. Emma, reviens! Non, mais ça commence super mal, la collaboration, là. Avec toutes ces conneries, ma chaîne YouTube, elle va être censurée, effacée, je vais me retrouver devant les tribunaux. Mais pourquoi j'ai fait cette vidéo?